la trachée en acier. Mikhail Boulgakov Ainsi je restais seul. Autour de moi, les ténèbres de novembre et leurs tourbillons de neige. La maison était ensevelie, les cheminées s'étaient mises à hurler. J'avais passé les vingt-quatre années de ma vie dans une ville immense et je pensais que la tempête de neige ne hurlait que dans les romans. En fait, elle hurle bel et bien. Les soirées ici étaient particulièrement longues. La lampe avec son abat-jour bleu se reflétait dans le noir de la fenêtre. Et, les yeux posés sur cette tache qui brillait à ma gauche, je rêvais. Je rêvais du chef-lieu, à quarante kilomètres de moi. J'avais une envie folle de fuir là-bas, d'abandonner ce poste. Là-bas, il y avait l'électricité, quatre médecins auxquels on pouvait demander conseil. Et, quoi qu'il puisse arriver, ce n'était pas aussi terrible. Mais il n'y avait aucune possibilité de fuite, et par moments, moi-même, je me rendais bien compte que je faisais preuve de faiblesse. N'était-ce pas précisément pour cela que j'avais fait mes études à la faculté de médecine? Mais, et si on m'amène une femme pour un accouchement anormal? Ou bien, supposons, un malade avec une hernie étranglée. Que faire? Apportez-moi donc vos conseils, je vous en prie. Il y a quarante-huit jours que j'ai terminé la faculté avec mention très bien. Mais la mention est une chose, et la hernie en est une autre. Une fois seulement, j'avais eu l'occasion de voir le professeur opérer une hernie étranglée. Lui opérait, et moi, j'étais assis dans l'amphithéâtre. Et pas plus. Souvent, à la pensée de la hernie, je sentais une sueur froide couler le long de ma colonne vertébrale. Tous les soirs, après avoir bu monter, je restais assis dans la même position. À ma gauche, les manuels d'obstétrique chirurgicale, avec, sur le dessus, le petit Döderlein, et à ma droite, dix tomes différents de chirurgie opératoire, remplis de schémas. Je geignais fumais, buvais mon thé noir tout froid. Je m'étais endormi. Je me souviens parfaitement de cette nuit. C'était le 29 novembre. Un vacarme à la porte me réveilla. Cinq minutes plus tard, j'enfilai mon pantalon sans pouvoir détacher mon regard implorant de ces livres divins de chirurgie opératoire. J'entendais un crissement de patins dans la cour. Mes oreilles se faisaient extraordinairement sensibles. En réalité, c'était encore plus terrifiant qu'une hernie ou qu'une présentation transversale. On m'avait amené au poste hospitalier de Scoyer à onze heures du soir, une petite fille. La garde malade me dit d'une voix sourde. La petite est faible. Elle meurt. Je vous en prie, docteur. Venez à l'hôpital. Je me souviens avoir traversé la cour, m'être dirigé vers le réverbère à pétrole de l'entrée de l'hôpital, sans cesser de le regarder scintiller, comme fasciné. La salle de consultation était déjà éclairée et mon personnel au complet m'attendait déjà habillé et en blouse. Il s'agissait de l'infirmier Demian Lukic, jeune encore mais très capable, et de deux sages femmes pleines d'expérience. Anna Nikolaïevna et Pelagie Ivanovna. Pour ma part, je n'étais qu'un médecin depuis deux mois et affecté à la tête de l'hôpital de Nikolskoye. L'infirmier, d'un geste solennel, ouvrit la porte en grand, et la mère apparut. Elle entra comme un bolide glissant dans ses bottes de feutre. Sur son foulard, la neige n'avait pas encore fondu. Elle tenait dans ses bras un ballot qui chuintait et sifflait à un rythme régulier. Elle avait un visage altéré et pleurait tout bas. Lorsqu'elle quitta sa peau de mouton et son foulard, qu'elle défit son ballot, j'aperçus une petite fille qui devait avoir trois ans. Je la regardais, et oubliais pour un instant la chirurgie opératoire, la solitude, l'inutilité de mon fatras universitaire, j'oubliais tout, résolument, devant la beauté de la fillette. À quoi la comparer? Ce n'est que sur les boîtes de bonbons que l'on dessine de tels enfants. Des cheveux naturellement frisés, en grosses boucles, couleur des seigles, presque mûres, des yeux bleus foncés, absolument immenses, des joues de poupée. Ce sont les anges que l'on dessinait ainsi. Cependant, un étrange brouillard se nichait au fond de ses yeux. Je compris que c'était de la peur. Elle ne pouvait plus respirer. Elle va mourir d'ici une heure, pensai-je avec une certitude absolue, et mon cœur se serra douloureusement. À chaque respiration, la gorge de la petite fille se creusait. Ses veines gonflaient et son visage rosé prenait une teinte légèrement violette. Cette couleur, j'en saisis immédiatement le sens et la portée. Je compris sur le champ de quoi il s'agissait, établis mon premier diagnostic à la perfection et, chose importante, en même temps que les sages-femmes qui, elles, avaient déjà de l'expérience, la petite a le croupe diphtérique, sa gorge est déjà encombrée par les pellicules et sera bientôt complètement bouchée. Depuis combien de jours est-elle malade Demandai-je dans le silence attentif de mon personnel. C'est le cinquième jour. Oui, le cinquième, dit la mère en me regardant fixement de ses yeux secs. Croupe diphthérique, dis-je entre mes dents à l'infirmier. Et à la mère, mais à quoi pensais-tu? Dis-moi, à quoi? À ce moment-là, une voix pleurnicharde s'éleva derrière moi. Le cinquième jour, monsieur le docteur, oui, le cinquième. Je me retournais, et vit une vieille femme silencieuse, le visage tout rond dans un foulard. Que ce serait bien s'il n'y avait plus toutes ces vieilles bonnes femmes, pensai-je, avec le triste pressentiment d'un danger. Toi, la vieille, tais-toi, tu me gênes, dis-je. Et à la mère, je répétais. Mais à quoi pensais-tu? Cinq jours, hein? D'un geste soudain machinal, la mère donna la petite à la vieille et s'agenouilla devant moi. Donne-lui des gouttes, dit-elle en frappant le sol de son front. Si elle meurt, je me pendrai. Lève-toi immédiatement, répondis-je. Sinon, je ne m'occupe plus de toi. Dans le frou-frou de sa large jupe, la mère se releva rapidement, prit la petite des bras de la vieille et se mit à la bercer. La vieille commença à prier, tournée vers le cadre de la porte. Quant à la petite fille, elle respirait toujours en sifflant comme un serpent. L'infirmier me dit Ils font tous pareil. Ah, ces gens À ces mots, sa moustache se tordit sur le côté. Alors, elle va mourir demanda la mère en me regardant, me sembla-t-il avec une fureur noire. Oui, dis-je, sans forcer la voix, mais avec fermeté. Aussitôt la vieille retroussa le bas de sa jupe et s'en essuya les yeux. La mère, elle, me cria d'une voix hystérique. Donne-lui, fais quelque chose, donne-lui des gouttes. Je voyais clairement ce qui m'attendait, et je fus ferme. Et quelle goutte, s'il te plaît? Dis-moi un peu. La petite s'étouffe. Sa gorge est déjà obstruée. Pendant cinq jours, tu as laissé mourir ta gamine à quinze kilomètres de moi. Et maintenant, que veux-tu que je fasse? C'est à toi de le savoir, monsieur le docteur, dit la vieille d'une voix peu naturelle, tout en pleurnichant sur mon épaule gauche. Je me pris aussitôt à la détester. Tais-toi, lui dis-je. Et me tournant vers l'infirmier, j'ordonnai de prendre la petite fille. La mère la donna à la sage-femme. La fillette commença à se débattre. Apparemment, elle essayait de crier, mais déjà sa voix ne sortait plus. La mère voulait la protéger, mais nous l'écartâmes. Alors, à la lumière de la lampe éclair, je réussis à regarder la gorge de la petite fille. Jusque là, je n'avais jamais vu de diphtérie, si ce n'est des cas bénins rapidement oubliés. Dans sa gorge, on voyait quelque chose de blanc, comme déchiqueté, et qui gargouillait. La petite fille souffla soudain et me cracha la figure. Mais je ne sais pourquoi, je n'eus aucune crainte pour mes yeux, préoccupé que j'étais par mes pensées. Voilà, dis-je, étonné de mon propre calme. La situation est la suivante. Il est trop tard, la petite est en train de mourir, et rien n'y fera si ce n'est une chose, l'opération. Pourquoi avais-je dit cela J'en fus moi-même épouvanté, mais je ne pouvais pas le dire. Et si elle donnait leur accord cette pensée me traversa l'esprit. Comment cela? demanda la mère. Il va falloir ouvrir au bas de la gorge et placer un tube en argent pour permettre à la petite de respirer. Alors peut-être nous la sauverons, expliquai je. La mère me regarda comme on eût regardé un fou, et protégea la petite fille de ses bras. La vieille, elle, se remit à rabâcher. Tu n'y penses pas. Ne laisse pas ouvrir. Tu n'y es pas. Lui ouvrir la gorge. Va-t'en, la vieille! lui dis-je avec haine. Faites une injection de camphre, ordonnai-je à l'infirmier. Quand elle vit la seringue, la mère ne voulut pas laisser la petite fille, mais nous lui expliquâmes qu'il n'y avait rien à craindre. Ça va peut-être lui faire du bien? demanda la mère. Non, pas du tout. Alors, elle éclata en sanglots. Assez, dis-je. Je, Je sortis ma montre et ajoutai. Je vous donne cinq minutes pour réfléchir. Si vous n'êtes pas d'accord, Passer ces cinq minutes, je ne me charge plus de rien. Pas d'accord, dit la mère d'un ton tranchant. Pas notre consentement, ajouta la vieille. Bon, comme vous voulez, dis je d'une voix sourde, et je pensais. Voilà, c'est fini. Pour moi, c'est plus facile. J'ai dit et proposé ce qu'il fallait. Les sages femmes ont ouvert de ses yeux. Elles ont refusé. Je suis sauvé. À peine avais je eu cette pensée que d'une voix étrangère à la mienne, Quelqu'un dit à ma place. Mais enfin, vous êtes devenue folle. Comment ça, pas d'accord? Vous faites mourir cette petite acceptez donc. Comment n'avez vous pas pitié? Non. Cria de nouveau la mère. Et intérieurement je pensais. Mais qu'est ce que je suis en train de faire? Je vais bien l'égorger, cette petite fille. Mais ce que je disais était tout autre. Allez, dépêchez vous, dépêchez vous d'accepter. Mais acceptez donc. Regardez, ses ongles bleuissent déjà. Non, non. Eh bien, emmenez-les dans la salle, et qu'elles y restent. On les emmena par le couloir faiblement éclairé. J'entendais leurs pleurs et le sifflement de la petite fille. L'infirmier revint aussitôt. Elles acceptent, dit-il. Tout se pétrifia en moi. Cependant, je dis d'une voix distincte. Stérilisez immédiatement bistouri, ciseaux, écarteurs et sondes. Un instant plus tard, je traversais la cour à toute vitesse, et là, dans un crissement, la tempête de neige voltigeait comme un démon. J'arrivais chez moi, et comptant chaque minute, je saisis un livre, je feuilletais et finis par trouver un schéma de trachéotomie. Là-dessus, tout était clair et simple. La gorge était ouverte et le bistouri planté dans la trachée artère. Je me mis à lire le texte, mais je ne comprenais rien. Les mots, bizarrement, sautaient devant mes yeux. Je n'avais jamais vu pratiquer de trachéotomie. Oui, mais il est trop tard à présent, pensai je. Et, jetant un regard angoissé sur le bleu, sur les couleurs vives de ce schéma, j'eus la sensation qu'une affaire difficile, effrayante, venait de me tomber dessus. Alors, sans prendre garde à la tempête, je retournai à l'hôpital. Dans la salle de consultation, une ombre aux jupes bouffantes vint se coller à moi et une voix pleurnicha. Monsieur le docteur, Comment ça ouvrir la gorge de ma petite Mais vous n'y pensez pas Cette idiote de femme, elle a accepté. Mais moi, je ne le donne pas mon accord. Pas question. Je veux bien qu'on la soigne, avec des gouttes. Mais lui ouvrir la gorge, je ne laisse pas faire. Mettez-moi cette bonne femme dehors, criai-je. Et dans mon emportement, j'ajoutais. C'est toi l'idiote de femme Toi Et elle, précisément, elle est intelligente. Et d'ailleurs, personne ne te demande rien. Dehors la sage-femme saisit fermement la vieille et la poussa hors de la salle. C'est prêt, dit soudain l'infirmier. Nous entrâmes dans la petite salle d'opération et, comme à travers un voile, j'aperçus les instruments étincelants, la lampe aveuglante, la toile cirée. Une dernière fois je sortis voir la mère à qui l'on venait juste d'arracher la petite fille. J'entendis seulement une voix rauque me dire. Mon mari n'est pas là. Il est à la ville. Il va arriver et apprendra ce que j'ai fait. « Il me tuera !»« Il la tuera !» répéta la vieille en me regardant avec effroi. « Qu'on ne la laisse pas entrer » ordonnai-je. Nous restâmes seuls dans la salle d'opération. Le personnel, moi et Litka la petite fille. Elle était assise toute nue sur la table et pleurait tout bas. On la fit allonger et tout en la tenant fermement, on lui lava la gorge et on la lui badigeonna d'iode. Puis je saisis le bistouri sans cesser de penser. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Tout était absolument calme dans la salle d'opération. Je pris le bistouri et traçai un trait vertical sur cette gorge blanche et potelée. Pas une seule goutte de sang ne sortit. Je donnai un second coup de bistouri dans la petite plaie blanche qui était apparue au milieu de la peau écartée. De nouveau, pas une goutte de sang. Lentement, en essayant de me souvenir des schémas de mes différents atlas, j'entrepris, à l'aide d'une sonde recourbée, de séparer les tissus extrêmement minces. C'est alors qu'au bas de l'ouverture, le sang noir jaillit de je ne sais où, inonda en un instant toute la plaie et coula le long du cou. L'infirmier commença à l'essuyer avec des tampons, mais il coulait toujours. Me remémorant tout ce que j'avais vu à l'université, j'essayais de rapprocher les lèvres de la plaie avec des pinces, mais je n'y arrivais pas. Je fus pris de sueur froide et mon front était trempé. Je regrettais profondément d'être allé à la faculté de médecine, d'être tombé dans ce trou perdu. Dans un mouvement de désespoir méchant, je fourrais les pinces au petit bonheur, près de l'ouverture. Elles claquèrent, et le sang cessa aussitôt de couler. Nous séchâmes la plaie avec des petits tampons de gaz, elle était là, sous mes yeux, nette et absolument incompréhensible. Il n'y avait nulle part trace de traché artère, et mon ouverture ne ressemblait à aucun des schémas. Il se passa encore deux ou trois minutes, pendant lesquelles, d'une manière parfaitement machinale et incohérente, je piochais dans la plaie avec soit le bistouri, soit la sonde, à la recherche de la trachée artère. Vers la fin de la deuxième minute, je désespérais de la trouver. C'est la fin, pensai-je. Pourquoi ai-je fait cela J'aurais bien pu ne pas proposer l'opération, et litka serait morte tranquillement dans une chambre, alors que maintenant, elle va mourir avec la gorge déchirée. Et jamais je ne prouverai à personne qu'elle serait morte de toute façon, que je ne pouvais pas aggraver la chose. Sans un mot, la sage-femme m'essuya le front. Poser le bistouri, et dire, je ne sais pas ce qu'il faut faire ensuite. Telle fut ma pensée, et je revis les yeux de la mère. Je levai à nouveau le bistouri, et sans but précis, je fis une entaille profonde, nette, dans la chair de l'itka. Les tissus cédèrent, et brusquement, juste sous les yeux la trachée artère. Écarteur. lançai-je d'une voix rauque. L'infirmier me les donna. J'enfonçai un écarteur d'un côté, l'autre de l'autre, et fis tenir l'un d'entre eux à l'infirmier. À présent, je ne voyais qu'une seule chose les petits anneaux grisâtres de la trachée. J'y plantais le tranchant de mon bistouri, et là, je demeurais paralysé. La trachée sortit de la plaie. L'infirmier, l'idée m'en traversa l'esprit, était devenu fou. Il s'était mis tout à coup à arracher la trachée. Dans mon dos, les deux sages-femmes poussèrent un cri. Je levai les yeux et compris ce dont il s'agissait. L'infirmier, en fait, dans cette chaleur étouffante, s'était évanoui, et, sans lâcher l'écarteur, tirait la trachée à terre. Tout est contre moi, c'est le destin, pensai-je. À présent, nous avons égorgé Litka, c'est certain. Et avec sévérité, j'ajoutai intérieurement. Aussitôt à la maison, je me tire un coup de revolver. Alors, la sage-femme principale, apparemment très expérimentée, s'élança, telle un rapace, vers l'infirmier, et se saisit de l'écarteur tout en disant les dents serrées, continuez docteur! L'infirmier tomba bruyamment, se cogna, mais nous ne le regardions même pas. J'enfonçai le bistouri dans la trachée, puis y plaçai le tube en argent. Celui-ci glissa facilement, mais l'itka resta immobile. L'air ne pénétra pas dans la trachée comme il aurait fallu. Je poussais un profond soupir et m'arrêtais. C'est tout ce que je pouvais faire. J'avais envie de demander pardon à quelqu'un, de me repentir d'être entré à la faculté de médecine avec une telle légèreté. Le silence régnait. Je voyais Lidka qui bleuissait. J'avais envie de tout abandonner et de me mettre à pleurer quand, soudain, Lidka tressaillit vivement, expulsa à travers le tube un jet de vilaine mucosité et l'air pénétra dans sa gorge avec un sifflement. Puis, la petite fille commença à respirer et à hurler. À cet instant, l'infirmier se souleva, pâle, couvert de sueur, il regarda la gorge hébété, effrayé, et entreprit de m'aider à la coudre. Comme dans un rêve, et à travers le voile de transpiration qui me couvrait les yeux, je voyais les visages heureux des sages femmes. L'une d'entre elles me dit. En voilà une opération brillamment réussie, docteur. Je pensais qu'elle se moquait de moi, et d'un air sombre, je lui lançai un regard en dessous. Puis les portes s'ouvrirent toutes grandes et un souffle d'air frais entra. On emmena Lidka dans un drap et aussitôt la mère apparut à la porte. Elle avait des yeux de bête sauvage. Elle me demanda :« Alors ?» En entendant le ton de sa voix, je sentis une sueur me couler dans le dos. Alors seulement, je compris ce qu'il se serait passé si Lidka était morte sur la table d'opération. Mais c'est d'une voix parfaitement tranquille que je lui répondis. Calme-toi un peu. Elle est vivante. Elle vivra, j'espère. Seulement, tant que nous n'aurons pas retiré le tube, elle ne pourra pas parler. Alors n'ayez pas peur. À ce moment-là, la vieille surgit comme un diable hors de sa boîte, fit des signes de croix vers la poignée de la porte, vers moi, vers le plafond. Mais cette fois-ci, je ne me fâchais pas. Je me retournais et ordonnais de faire une piqûre de camphre à Litka, et d'organiser un tour de garde auprès d'elle. Puis, je rentrai chez moi en traversant la cour. Je me souviens de la lumière bleue de mon cabinet, du doderline posé là et des livres éparpillés. Tout habillé, je m'approchai du canapé, m'y allongeai et cessai aussitôt de voir quoi que ce soit. Je dormis sans même faire un seul rêve. Un mois passa, puis un second. J'en avais vu bien d'autres et il y avait eu plus terrible que la trachée de Litka. Je l'avais même oublié. À l'entour, c'était la neige. De jour en jour, le nombre de mes consultations augmentait. Un beau jour, après le nouvel an, une femme entra dans la salle de consultation, tenant par la main une gamine empaquetée comme un ballot. La femme avait des yeux rayonnants. Je la regardais attentivement et la reconnus. Ah! Oh, C'est Litka! Alors, comment ça va? Tout va bien! La gorge de Litka n'avait plus de bandage. La petite fille était intimidée et avait peur. Mais je réussis malgré tout à lui soulever le menton pour regarder. Son cou rose était marqué d'une cicatrice brune verticale et de deux autres très fines transversales dues au point. C'est parfait, dis-je. Il n'est pas utile de revenir. Je vous remercie docteur. Merci, dit la mère. Puis elle ordonna à Litka. Dis merci au monsieur. Mais Litka ne voulait rien me dire. Je ne la revis plus jamais de ma vie. Je commençais à l'oublier. Quant au nombre de mes consultations, il ne cessait d'augmenter. C'est ainsi qu'un jour, il y eut 110 personnes. Nous commençâmes à 9 heures du matin pour terminer à 8 heures du soir. Un peu chancelant, je quittais ma blouse. La sage-femme principale me dit C'est grâce à la trachéotomie que nous avons une telle consultation. Savez-vous ce que l'on dit dans les villages On raconte que vous avez remplacé la trachée artère malade de Lidka par une trachée en acier. Et que vous avez recousu. On va dans ce village spécialement pour voir Lidka. Votre renommée est faite, docteur. Toutes mes félicitations. Et elle vit ainsi, avec une trachée en acier, demandai-je. Oui, elle vit ainsi. Quant à vous, docteur, bravo. Et avec quel sang-froid vous agissez. C'est merveilleux. Moi, vous savez, je ne m'affole jamais, dis-je sans trop savoir pourquoi mais sentant bien qu'à mon degré de fatigue, je n'étais même plus capable d'avoir honte, et je me contentais de détourner les yeux. Je lui dis au revoir et rentrai chez moi. La neige tombait à gros flocons, recouvrait tout, le réverbère était allumé, et ma maison était solitaire, calme et pleine d'importance. Quant à moi, tout en marchant, je ne désirais qu'une seule chose ⁇ dormir.